faut que tu ailles voir l'oracle. Le voix des étoiles. Les dieux pensent qu'une pitoyable armée de demi-dieux m'arrêtera. Ce monde deviendra tellement plus grand. L'idée d'Athéna d'atteler des bœufs pour le labourage a été utile à ces fermes. Sur un sol si riche, les récoltes étaient abondantes.
Phénix avait survécu à la rage de Typhon. Pour l'instant. Ah!
pied de la grande statue se trouvait une enclume. Un objet en soi vulgaire, mais qui pouvait donner naissance à la beauté. Et là se trouvaient les tenailles d'Héphaïstos, qui l'enfonçaient profondément dans les feux ardents et l'eau glacée. Enfoncés. Car ces créations exigeaient des températures extrêmes. Quoi ? Non mais c'était... C'est tout ce qu'il pouvait faire, parce que, enfin tu vois, franchement... Il suffit de le regarder. On peut pas dire que... C'est bon, tu as fini ? Oui. 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 Enfin, après une longue escalade, Phénix atteignit le gros marteau d'Héphaïstos. Oh, pardon, pardon, non, j'arrête, promis. Ah, la contrée de la forge. Ses nombreux ateliers. Ses sommets majestueux. Tu nous fais le guide touristique ou quoi ? Les créations de jadis, dévastées par l'inextinguible soif de destruction de Typhon. Oh. Quelqu'un a vécu, a travaillé, et apparemment a été heureux, ici. Certainement pas Héphaïstos, alors. Ce peureux qui chiale et se plaint tout le temps. Il n'a jamais souri de sa vie. As-tu jamais écouté un seul mot de son histoire ? Les choses ont changé.